La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? Fidèle ami de EPAS TV, c'est la question du jour de votre émission Talk Show. On ira écouter la réponse des citoyens sur cette question-là. Suivez-nous. Selon moi, oui. Selon moi, oui. D'autant plus que garder sa virginité jusqu'au mariage a beaucoup d'avantages pour la jeune fille. A beaucoup d'avantages pour la jeune fille, pour son foyer, pour son respect, vous voyez, pour sa considération vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de sa belle famille. Dans le thème de la morale et de l'éthique, la virginité jusqu'au mariage est une très bonne chose. Et si le jeune garçon découvre qu'après le mariage, son épouse ne répond pas normalement sur le plan sexuel, détruire le mariage ou non, ça reste une question, ça reste un dilemme, je vais dire. Sinon, selon moi, c'est je ne peux pas garder, il ne faut pas vivre dans l'amour hypocrite. Selon moi, je ne peux pas garder, je ne peux pas garder, je ne peux pas garder. Il ne faut pas faire de l'amour à peu près de l'hypocrisie, non. Personne n'est forcé à vivre une vie difficile sur terre. Donc, si c'est moi, en tout cas, je préfère rompre ce mariage et faire autre, et choisir autre. Oui, c'est obligatoire avant le mariage. Parce que si la femme, on pourrait dire que celle-là est vierge, bon, c'est une honneur pour elle-même et pour l'homme qu'elle veut marier. Donc, c'est encore l'honneur pour la famille. Tout le monde, il n'y a pas de l'argent, on dit, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et les filles se baladent partout pour chercher de l'argent, ils se donnent aux garçons. Donc, on peut pas dire qu'on attend encore de virginité pour se marier encore en ce moment. Ce que moi, je conseille à ces jeunes filles-là, qui n'a rien, ne risque à rien. Donc, ce que moi, j'ai dit, il peut rester là. Bon, chez les parents, ils trouvent de l'argent. C'est pas se donner aux garçons au hasard. C'est pas ça qui donne de l'ampleur. Donc, ils peuvent rester chez eux et chercher de l'argent. Une femme doit sauvegarder sa dignité. Chez nous, en Afrique, la femme est sacrée. Donc, si nous prenons le temps de nos aïeux, le temps de nos anciennes mamans, avant de se marier, elles gardent leur virginité, elles gardent leur virginité jusqu'au mariage. Donc, si les femmes d'aujourd'hui peuvent, et d'une certaine façon, pratiquer cette méthode, garder leur virginité jusqu'au mariage, ce serait bien. Mais l'auto, c'est tout ce que nous mangeons aujourd'hui, cela suscite l'envie d'aller vers le sexe. Donc, et ce n'est pas totalement la faute aux jeunes femmes d'aujourd'hui. C'est également la faute à ce que nous mangeons, c'est dû également à ce que nous mangeons aujourd'hui. Donc je prie les uns et les autres de contrôler leur alimentation, de contrôler leur envie également. Et voilà, chers amis de EPAS TV, vous avez suivi la réponse de quelques-uns sur notre question du jour. Alors, si vous-même vous avez suivi, nous attendons vos réponses en commentaire. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Talk Show. Bye bye!